Salut tout le monde, aujourd'hui je teste un format un peu différent, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Tout de suite, on va commencer la vidéo. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre comment réagissent les UV dans l'organisme de nos reptiles. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo grâce aux stories de Zoomed, je vous mets le lien dans la description. Et dans ces stories, ils nous expliquent en fait comment les UV fonctionnent. J'ai décidé de reprendre leur illustration dans cette vidéo car je les trouve vraiment très claires. Elles nous aident à comprendre et vraiment à mieux visualiser comment ça fonctionne. Donc par contre elles sont en anglais, donc je vais essayer de vous traduire ça le mieux que je peux. Bon, déjà il faut savoir que le soleil il délivre trois choses, de la chaleur, de la lumière visible et des ultraviolets, donc qui sont pas visibles à l'œil nu. Il y a des ultraviolets A, B et il y a aussi les C. Mais ceux qui nous intéressent ici, ça va être les UVA et les UVB. Ce sont les UVB et la chaleur qui vont réagir avec le cholestérol présent dans la peau des reptiles pour créer la vitamine D3. La fameuse vitamine D3 que tout terrariophile connaît. Cette vitamine D3 va être traitée dans le foie et dans les reins pour donner la vitamine D. Oui, comme Koba. Je me rappelle, j'avais rien, je traînais tous les jours dans le BAT7. C'est grâce à cette vitamine du BAT7 que les intestins vont permettre aux reptiles d'utiliser le calcium présent dans les aliments. Donc sans vitamine D, les animaux ne peuvent pas utiliser le calcium des aliments. Ils doivent donc puiser autre part dans leur corps pour trouver du calcium, par exemple dans les os. C'est ce qui crée des maladies osseuses chez les reptiles. On comprend donc l'importance des UV dans l'élevage des reptiles. Il est indispensable pour que les reptiles puissent utiliser le calcium des aliments. Mais attention, les UV ne s'utilisent pas n'importe comment. Trop d'UV peut être très néfaste pour nos animaux. Je vous invite à aller voir la vidéo de Reptiling à ce sujet. Il y a un veto qui explique ça beaucoup mieux que moi. Tous les reptiles ne nécessitent pas les mêmes températures. Eh bien pour les UV c'est pareil. Tous les reptiles ont des besoins différents au niveau des UV. La température est mesurée en degrés Celsius ou Fahrenheit. Et les UV y sont mesurés à l'aide d'un indice UV. Au plus l'indice est élevé, au plus les UV sont importants. Pour mieux s'y retrouver, on divise les indices UV en 4 zones, les 4 zones de Ferguson. C'est juste le nom du gars qui a mis ça en place en fait. Ces zones sont basées en fonction de l'exposition aux UV. Avec la zone 1, pour les espèces qui vivent à l'ombre ou les espèces crépusculaires. La zone 2, c'est pour ceux qui s'exposent partiellement au soleil ou occasionnellement en plein soleil. La zone 3, c'est pour les espèces qui sont souvent en plein soleil et parfois partiellement. Et enfin la zone 4, c'est pour ceux qui s'exposent au soleil durant les heures où ça tape vraiment fort. Vous pouvez donc vous renseigner pour savoir dans quelle zone se situe votre espèce. Voici quelques exemples les plus courants. Donc pour la zone 1, on a le Blepharis macularius, donc le gecko léopard. Il y a aussi le Corellophus ciliatus, donc les geckos à crête, mais aussi les Pantherophis guttatus, les serpents des blés et encore plein d'autres. Pour la zone 2, on retrouve par exemple l'Anolis carolinensis, le Rhacodactylus auriculatus, etc., etc. Dans la zone 3, on retrouve par exemple le Caméléo calyptratus, donc le caméléon casqué du Yémen, l'Iguana iguana, le célèbre iguane vert. Et pour la zone 4, enfin, on retrouve le célèbre Pogona viticeps, les Uromastix. Enfin, il est très important de rappeler que comme pour la température, il faut aussi un gradient pour les UV. Il faut permettre au reptile de choisir son exposition aux UV. Il ne faut surtout pas que le reptile soit obligé de s'exposer toute la journée aux UV. Voilà pour cette petite vidéo sur les UV. Si tu l'as trouvé utile, n'hésite pas à la partager ou juste à mettre un petit pouce bleu, ça me fait super plaisir. Dis-moi en commentaire si tu as aimé le nouveau format. Et j'essaye de me mettre un peu plus dans un rythme un peu plus régulier, une vidéo toutes les semaines. Mais c'est vraiment pas facile, ça prend énormément de temps de faire des vidéos. Mais j'adore ça, donc je me donne à fond et j'espère pouvoir garder ce rythme. Et si c'est pas une vidéo par semaine, j'essaye de faire au moins une vidéo toutes les 2 semaines. Allez, moi je vous dis à la prochaine, dimanche prochain j'espère. C'était Lizardman. A plus dans le bus, ciao.